Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, vous entendez Julienne en fond. Je vais vous montrer du coup, on a eu les deux nouvelles chaises. Elles sont vraiment sympas, elles sont solides. J'avais peur un petit peu parce que ça ressemblait vraiment à des chaises en plastique de merdasse. Mais non, ça va. J'ai aussi reçu un colis Vinted, mais j'ai déjà rangé les habits, donc je peux pas vous montrer. Et j'ai reçu, Fabrice allait me chercher à la boutique, le sac à main qui a été précommandé et fabriqué là en espèce de paille là, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, vraiment de très bonne qualité, ça sent la paille. Et à l'intérieur il n'y a rien, enfin c'est juste une poche quoi, mais on sent vraiment la qualité, le cuir de qualité, forcément, hein, puisque... Je vous rappelle que Brutus Doy, c'est la marque de l'entreprise de Fabrice. Et c'est ceux qui font... Fabrice, il est embauché, lui, par Louis Vuitton. Donc, il fait les bagageries, la maroquinerie Louis Vuitton. Donc, voilà. Et donc, l'entreprise pour Fabrice travaille, encore une fois, avec Louis Vuitton, avec Hermès et avec Delvaux. Voilà, pour ceux que ça intéresse et qui ne se rappelleraient pas. J'ai mis mon nouveau cadre ici. Je vous montre de loin, hein, mais il y a le deuxième parrain du coup de Lucas. Il y a des photos de Balou et tout. Et donc là, j'ai remis 2-3 trucs ici. Mais comme je vous ai expliqué, je voudrais vraiment qu'il y ait plein de photos. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai fait une commande sur Vistaprint. Je suis désolée, Juju, je suis en train de ne pas écouter ce que tu dis, c'est pas bien. Donc j'ai reçu là aussi une nouveauté. Alors j'ai eu un souci avec le dernier colis Vinted parce qu'il est arrivé super lentement. Je sais pas, il y a eu un bug dans le truc, j'en sais rien, mais voilà. Donc voyons voir le poster, c'est quoi. D'accord. Je n'ai pas compris. Attends, c'est quoi ce poster? J'ai pas commandé ça. J'ai pas commandé de deuxième. J'ai commandé. Alors j'ai commandé des trucs sur. Comment on appelle? J'en ai commandé un en même temps que la pop. Sur Cdiscount. Alors je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un des trucs que j'ai commandé. Magnifique, mais regardez cette petite beauté qui a été peinte en style Van Gogh. Vraiment, j'adore, c'est trop beau. Je le voyais pas si grand, honnêtement. Je sais pas si je vais pouvoir avoir un cadre pour pouvoir le mettre, mais il est splendide. Ensuite, donc là, on a la facture, et là, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un manga style. Style Bleach ou je ne sais quoi. Attends, c'est... Ah, Naruto. Ok. On a un poster de Naruto en cadeau, quoi, les gars. Je trouve ça super hallucinant, mais bon, bref. En cadeau, ils nous ont mis un poster supplémentaire. Parfait. Sachant que le poster de ces discounts-là, je l'ai payé 6 euros. 6 euros, et en plus, t'as un poster Naruto. Non, mais c'est de la folie, quoi. Je sais pas si ça va intéresser Fabrice ou quoi, mais bon, au pire des cas, si ça l'intéresse pas, plus tard, il sera pour Lucas. Je vais l'ouvrir quand même. Hop. En tout cas, il est arrivé vraiment parfait, quoi. Le petit poster Naruto en cadeau, ça me fait halluciner quand même. Ça me fait halluciner. Et c'est pas un petit poster, hein. Je vous dis le petit poster, mais c'est pas un petit poster, hein. Regardez ça. Il est gigantesque. Oh là là, je pense que mon ami va être ravi. Voilà. Au moins Naruto, honnêtement. Bon, un peu.
Mais voilà, donc ouais, hier j'ai reçu ma commande sur j'ai reçu ma commande de Vinted, la dernière que j'avais faite. Elle a mis super longtemps, apparemment il y avait des soucis machin. Pourtant j'ai reçu toutes les autres en temps voulu, il y a déjà un petit moment hein, rappelez-vous. Mais les autres, ouais, je sais pas, ça a mis super méga longtemps. Et donc il y avait un t-shirt avec un effet holographique old game, voilà, qui fait un petit peu un effet jeu. Il y a deux t-shirts avec Mario. Et le reste, c'était tous des body manches courtes pour Lucas, puisque j'en avais besoin. Voilà, voilà. Sur ce, là, Fabrice est en train de tout mener à la dèche. Moi, j'ai plein de choses à faire. On doit aller aussi tout à l'heure chercher une bibliothèque pour mettre ici. Voilà, d'occasion. Voilà, voilà. Je vais vous dire plus tard. Bonjour à tous, on est lundi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête des mères. Aujourd'hui, je vais à l'hôpital pour mon rendez-vous avant l'opération. Voilà. Hier, ça s'est très bien passé, Lucas fait que jouer, mais... Attendez, je vais vous mettre là. Bon, ça va pas non plus. Étant donné que Lucas est déjà un peu malade là, et que moi je peux pas annuler le rendez-vous, Fabrice reste à la maison. Et du coup, moi, je vais à mon rendez-vous et il va l'emmener au docteur, tout ça, donc il va s'occuper du petit. Voilà, j'ai le deuxième parrain de Lucas et sa femme qui m'ont donné plein de jouets. Et il y a encore un tracteur et une voiture pour, c'est des jouets d'extérieur, voilà. Donc je suis très contente. Je sais pas trop quel temps il va faire aujourd'hui. Mais il fait chaud, je trouve. Il fait, je trouve que là, c'est tout fond. Donc voilà. Autrement, ouais, le week-end s'est très bien passé. On est rentré assez tard. Et Lucas n'a pas fait de sieste l'après-midi. Donc il était crevé. Il a bien dormi cette nuit. Il s'est réveillé un coup à 2h. Mais c'est parce que j'ai râlé un coup. Parce qu'Elsa faisait des bêtises, voilà, en ce moment Elsa fait beaucoup de bêtises, hein. Le fait d'avoir déménagé tout ça, je pense que ça la perturbe aussi, voilà, donc du coup elle était dans l'armoire en train de faire des bêtises, elle nous a réveillé, donc j'ai râlé un coup et ça a réveillé Lucas, donc je lui ai donné son bibi à 2h et il s'est rendormi assez rapidement, je l'ai changé, hein. Et puis voilà, donc voilà, aujourd'hui j'ai mon rendez-vous. Et puis je voulais juste faire une aparté parce qu'il y a, enfin, je trouve que c'est pas parce que je vous montre ce que j'achète, la déco de la maison, tout ça, que je vous demande l'avis, hein, votre avis là-dessus. Si ça vous plaît pas, c'est pas mon problème, c'est chez nous, ça nous plaît. Et vous n'avez pas besoin de faire des réflexions là-dessus. Voilà, je voulais vraiment faire une aparté là-dessus parce que forcément nos affaires. On les a pris, on les a ramenés ici, hein. Donc forcément ça ressemble globalement un petit peu à ce qu'on avait avant. La chambre de Lucas est 3 fois plus petite que l'ancienne maison, enfin que l'ancien appartement, donc forcément elle est plus chargée, mais encore une fois je n'ai pas demandé l'avis sur si la chambre était trop chargée ou pas, donc j'aimerais bien que les gens s'abstiennent de faire ce genre de réflexion parce que c'est pas votre problème, voilà, hein, à ceux qui l'ont fait, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut, voilà, et nous ça nous plaît, c'est le principal, voilà, ça regarde personne d'autre, et même nos proches, si ça leur plaît pas, c'est pas notre problème, c'est chez nous, voilà, donc des gens qu'on ne connaît pas, encore moins. Donc je préfère faire une petite aparté là-dessus dans la vidéo, parce que toutes les personnes qui continueront à faire ce genre de commentaires, à un moment donné, ça va me saouler. C'est pareil, les réflexions sur est-ce que tu fais ci ou ça, est-ce que tu donnes à manger telle ou telle chose à Lucas, parce que si tu lui donnes ça, c'est pas bien, est-ce que tu regardes trop la télé, est-ce que tu as trop la télé allumée, ce genre de commentaires, mais s'il vous plaît, quoi, ça ne vous regarde pas. Enfin, je sais pas, voilà, quand je demande l'avis à quelqu'un sur un truc et qu'on me réponde, même si c'est négatif, c'est une chose, voilà.
si c'est constructif évidemment, mais qu'on me fasse des réflexions sur comment on vit, sur comment je fais pour m'occuper de mon fils, je pense que là il y a quand même des limites. C'est pas parce que je vous montre certaines choses que voilà, il y en a, ils se permettent vraiment de dire des choses quoi, genre ah ben Lucas il a pas l'air très câlin. Oui, tu le vois 2 secondes dans une vidéo et tu juges mon fils comme ça, voilà. Bref, je pense qu'il y a quand même des limites, les gens, qu'il faut quand même vous mettre. Hein, ça ne vous regarde pas, c'est pas votre problème. Je suis une personne lambda, vous me croisez dans la rue, je pense pas que vous allez faire une réflexion sur, bah tiens, son fils il va faire ça ou ça, ça ne vous regarde pas. Donc, petite mise au point là-dessus, c'est que vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe chez les gens. Voilà, que ce soit moi, une autre youtubeuse, ou votre voisin, ou n'importe, ça ne vous regarde pas, tout simplement. Donc ça, c'est quand même bien à le dire, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun vit comme il veut. Si ma couleur de cheveux ne vous plaît pas, si telle ou telle chose ne vous plaît pas, c'est mon problème, ce n'est pas le vôtre. Voilà, c'était la petite aparté, hein. Chacun fait comme il veut dans la vie. Et vous n'avez pas à faire ce genre de réflexion, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Merci, je vous partage des choses au quotidien, mais je ne demande pas si ça vous plaît ou pas votre avis là-dessus. N'est-ce pas? Alors on va me dire oui, mais tu te montres, du coup tu dois accepter les trucs. Non, je partage des choses. Donc je partage avec vous, je n'ai pas demandé d'avoir votre avis sur ma vie. Hein. Voilà. Moi je ne vais pas vous juger sur votre vie non plus. Donc chacun fait comme il veut. Et personnellement, je ne me permets pas de juger telle ou telle personne que je suis parce que ben, c'est pas mon problème quoi. Les gens font comme ils veulent. Il y a des choses que personnellement ça ne me plaît pas chez telle ou telle personne que je suis, et pourtant je vais pas me permettre de lui faire une réflexion. Je trouve que ça ne se fait pas, c'est mal poli, et pour moi c'est un manque d'éducation tout simplement de d'être comme ça avec les gens. Si ça te plaît pas, bah tu passes à autre chose, et puis voilà quoi, c'est tout. Alors c'est pas facile de mettre du dentifrice sur la brosse à dents en même temps que de tenir l'appareil. Voilà. Et tiens, je vais faire une petite aparté d'ailleurs sur ma brosse à dents. Alors, il y a du dentifrice partout, en faites pas gaffe. Mais Fairwheel, là, que j'avais pris, franchement, plutôt pas mal. J'apprécie beaucoup. Voilà. Et il y a du dentifrice partout, je suis désolée. Alors, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous dire comment s'est passé mon rendez-vous. Voilà, alors je ne sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Je sais à quelle heure je pars, c'est 9h. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer puisque en général elle prend jamais en avance. Donc du coup je risque de mettre beaucoup de temps. Là je vais prendre rendez-vous pour Lucas. Et c'est papa qui va s'occuper de Lucas. Voilà, mais l'opération approche à très grands pas, c'est dans moins d'un mois. Bon voilà, Fabrice vient de partir au médecin avec Lucas. Et moi donc j'attends le VSL. Je vais prendre mon petit jus d'orange là parce que je ne l'ai pas vu ce matin. Et donc je vais aller à mon rendez-vous. Il pleut, vache qui pisse. Alors qu'il y avait super beau tout le week-end, on adore. Oh, j'ai reçu mon truc pour le côté salle à manger. Mais je le voyais vachement plus gros. C'est un peu mensonger quand même le truc. Après c'est très joli, mais quand tu regardes sur la photo, ça a l'air vachement plus gros quoi. Donc c'est un peu décevant parce que bah, je le voyais au moins 2 fois plus gros que ça. Voilà, bon après donc il y a les fils, les machins là. Voilà. Et bah, je vais attendre que mon oncle me le mette. Voilà, voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris aujourd'hui, j'ai chaud. Putain, il fait pas beau du tout. Bref, je suis en train de mettre tout ce qu'on a comme livre au-dessus. Enfin, du moins une partie. De livres qui ne sont pas des livres de collection ou quoi, bref, je suis en train de mettre ça ici. Voilà, il y a des livres qui vont rester en haut, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va gérer. Et tout en bas, j'ai mis des DVD, voilà, aux étages du bas, puisque Fabrice ne
sachant pas bien ranger la collection et que ça commence à m'agacer, il y a beaucoup moins de place que prévu et il s'étale vraiment sur les trucs, donc j'ai déjà mis mon nez dedans 2-3 fois. Ça va continuer je pense, il faudrait que je retrouve une étagère comme les blanches qu'on a au-dessus, mais je sais plus du tout où c'est que je l'avais trouvé, si jamais vous savez, à petit prix, c'était vraiment petit prix. Donc voilà, autrement je viens de récupérer, je vais vous montrer, un lot d'assiettes comme ceci, voilà. Elles sont un petit peu toutes les couleurs, on a des vertes, comme ça. J'en avais un petit peu marre des mots, donc voilà. Orange comme ça. Il y a une violette, j'aime bien la forme et tout, trop sympa. Deux violettes. Ah, on a d'autres formes. On a une rouge, mais elle est pas, il n'y a pas le bord pareil. Il y a une orange. Encore une orange. Bon, il y a que la rouge qui fait pas vraiment partie du truc, quoi. Une un petit peu jaune orangée. Et c'est bon. Voilà, ça me fait des trucs en plus pour la poubelle. Donc voilà les assiettes. Voilà, voilà. J'ai chaud, je ne peux plus. Je n'arrête pas depuis ce matin. Il faut que je positionne les cadres dans l'escalier, du coup, puisque j'ai dû mettre le cadre ici qui était dans le salon. Puisqu'en fait, du coup, vu qu'on a la bibliothèque, il a fallu faire de la place. Voilà, donc je suis contente, je vais avoir de nouvelles. J'ai fait pas mal de tri en fait aujourd'hui. J'ai mal au dos, mais j'ai fait pas mal de tri, j'ai beaucoup rangé. Hier soir, j'ai commencé à faire du tri un petit peu aussi dans la pièce de collection, puisque j'étais dedans, dans cette pièce-là. Parce que hier soir, c'était. Donc nous sommes le lundi, non, mardi. Et hier soir, c'était la course de NASCAR. Fabrice adore et regarde les courses de NASCAR. Voilà. Et du coup, moi, j'étais dans la pièce de collection. J'ai regardé des trucs à la télé, mais ça me tirait tellement l'œil. Toutes les collections qu'il y avait et qui étaient encore en bordel. Donc du coup, je n'ai pas arrêté de continuer de faire mon boulot hier soir. Voilà, donc j'ai fait ça hier soir. Ce matin, un petit peu aussi. J'ai fait mon linge, j'ai fait ma vaisselle et tout. Et j'ai trié un petit peu dans la chambre à Lucas. Il y a 2-3 trucs que j'ai mis en vente. J'ai d'ailleurs 2 trucs qu'on vient chercher aujourd'hui. Le deuxième Homer Simpson qu'on avait en peluche. Que j'ai mis en vente puisque Lucas s'en fout. Parce qu'il y en avait un dans sa pièce. Et le deuxième, bah, il est dans la pièce à Fabrice, quoi. Puisqu'on l'avait en double. Ensuite, il y a... le couple mini Mickey qui part aussi, version géante que j'avais, un petit peu doudou on va dire. Donc ces versions là, Lucas s'en fout aussi et ils prennent quand même de la place parce qu'ils sont très grands. Donc je vais essayer de me concentrer vraiment sur des trucs que je vois que j'ai envie vraiment, vraiment quoi. Il y a des pluches que je vais virer, j'ai fait le tri. Il y a des trucs, ça sera pour ma meilleure amie d'ailleurs. Il y a des trucs qui vont être pour Pauline, parce que j'ai fait du tri dans les plats, dans les assiettes là. Donc Pauline récupère 3 trucs. Voilà. Faut continuer à faire un petit peu de tri au quotidien. De toute façon, hein, quoi qu'il en soit, même si j'ai déjà fait un peu de tri... Dans l'ancien logement, le tri, ça se fait sur toute la vie, quoi. Hein, le tri, t'en fais régulièrement. Voilà. Donc, je sais que c'est un joyeux bordel, mais c'est joyeux et c'est notre bordel et on l'aime. Voilà. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Je pense que ça se voit au niveau de mes cheveux et tout. En plus, j'ai Dame Nature qui s'est installée aussi. Donc, ça n'aide pas non plus. Et j'ai baissé le chauffage là, mais bah, il fait 21, enfin, je comprends pas. Alors je vais vous montrer.
En fait, ça c'est pour régler le chauffage. Enfin là, c'est la température du sol. Il fait 21 au sol. Moi, j'ai réglé sur 19,5. Donc, ok. Sauf qu'à hauteur, apparemment, il fait 23,5. Donc, j'ai envie de dire forcément, j'ai chaud. Voilà. Mais bon. Bon, je suis contente pour mes petites assiettes parce que du coup, même les versions un peu creuses, comme la version un peu creuse comme ça, quand tu manges des spaghettis, c'est plutôt pas mal. Ce week-end, normalement, j'ai ma mère, mon beau-père qui viennent manger. À la base, c'était prévu pour dimanche, mais je pense qu'ils vont plus venir samedi. Et du coup, je vais faire des moules frites et je pense que les moules frites là-dedans, ça va être plutôt pas mal aussi. Donc, voilà. Bon bah tout n'est pas fini hein. Le meuble est toujours pas fait parce qu'il faut que je trouve encore les, tout ce qu'il faut. J'ai commandé les poignées, bah pareil faut, bah, les poignées je les mettrai que quand j'aurai tout fini quoi. Et puis voilà quoi, petit à petit il y a plein de trucs que j'attends aussi et que j'ai toujours pas reçu. Mais bon, petit à petit ça arrive, mais c'est vrai que là ça m'embête un petit peu parce que je voulais vraiment faire une bibliothèque de A à Z et au final il y a des DVD, mais bon c'est comme ça que vous voulez, ça m'embête mais bon il faut trouver des solutions. Et bon c'est vrai que c'est plus logique de toute façon que les DVD soient dans le salon que dans la pièce de collection, mais bon voilà voilà, bah, je trouve que ça fait un peu fouillis. Je sais pas, je suis pas satisfaite de mon truc. Bon, la bibliothèque, elle n'est pas encore finie de remplir. Hein. Je dois aller re-remplir un sac, donc voilà. Mais bon, au moins, on commence à voir un petit peu le bout. Et ça avance quand même progressivement. Voilà, voilà. Voilà, là, je sais que c'est tous les trucs un peu policiers. Les trucs San Antonio, tout ça, que Fabrice, il aime bien. Un ou deux qui n'en font pas partie, genre le Vicomte, là, ça n'en fait pas partie. C'est un livre, par contre, il a grave mal vieilli, là. Un truc de fou, je comprends pas pourquoi il a fait ça, là, sur le dessus. C'est un livre avec des pages aussi fines qu'une feuille de cigarette. Et il y a, et je l'ai jamais lu, hein, j'ai jamais eu le courage de le lire. Il y a plus de 1600 pages, hein, donc voilà, voilà. Celui-là, je vais le mettre en haut. Hop. Voilà. Voilà, donc petit à petit, comme je vous dis, hein, je vais ranger tout ça, ma foi. Je vous dis à plus tard. Je clôture donc ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.